Alors au départ, on a créé la bourse au vélo, c'est surtout pour faire sortir les vélos des greniers, etc. et trouver des vélos pour nos gamins, pour l'école de cyclisme. Donc maintenant on en a, mais on a continué parce qu'on s'est aperçu que c'était un but lucratif, hein, donc ça nous rapporte des sous aussi. Donc comme on cherche des moyens de financement du club, on a continué l'animation de cette bourse au vélo qui augmente tous les ans puisqu'on a doublé en 5 ans le nombre de vélos présentés, le nombre de vélos vendus. Alors c'est sur 2 jours, il y en a qui le font en une journée, mais bon, nous on préfère le faire sur 2 jours, comme ça on fait le samedi après-midi, les gens nous amènent les vélos, on discute un petit peu avec eux, on leur dit le prix, on leur conseille le prix auquel il faut qu'ils le vendent. Nous on a intérêt à le vendre bien sûr le plus cher possible, mais on sait bien le marché et à combien il faut le mettre. Et après, une fois qu'ils sont d'accord, ils nous le confient et nous le dimanche on s'occupe de la vente. Et on essaye de le vendre le maximum, le prix que nous a de conseillé, enfin avec lequel on s'est mis d'accord avec la personne. Et par contre, en fin d'après-midi, on essaie de brader un petit peu, on baisse un peu tous les prix au prix que nous ont laissé l'autorisation les gens de le vendre. Pour offrir un cadeau de Noël à mon fils, un petit vélo de 5 ans, pour mon fils qui a 5 ans. Finalement, je vais partir sur celui-là parce qu'il en voulait un bleu déjà, et qui m'a l'air pas mal. Bon, et après, voilà, c'est intéressant au niveau du prix. Voilà. Il est tout neuf, et il est à ma taille, et puis il est en cuir, enfin, je trouve qu'il est très joli, il est neuf. Il a l'air neuf, surtout qu'il n'est pas très très cher pour. Il est super beau. On faisait un tout petit peu de VTT ensemble. Et comme moi j'ai un vélo de route, voilà, on s'est décidé à acheter un vélo de route pour aller ensemble, pour sortir. On a profité de ce salon du vélo pour venir voir si on trouvait une occasion. Mon premier vélo, c'est. Je trouve qu'on a saisi une bonne affaire. Mais écoutez, j'ai un fils qui a 14 ans, qui va à l'école avec une petite bicyclette. Il a pris 10 cm cette année. Il a fallu qu'on change et on a trouvé finalement une bicyclette qui semble lui convenir avec des freins à disque, ce qui n'existait pas de mon temps. Le prix aussi me paraît relativement convenable. Je suis très étonné du reste des prix des bicyclettes. Je n'avais pas l'idée de ce que pouvait coûter une bicyclette neuve quand on voit que certaines ici se vendent à 1 000, 2 000 et même plus euros. Voilà.